Bonjour les Anandiens, aujourd'hui une petite vidéo pour partager avec vous ma semaine de jus à l'extracteur. 7 jours pour me faire du bien, pour faire le plein d'énergie des fruits et des légumes en cette période d'été où vraiment c'est propice justement à recevoir toute l'énergie de la terre, du soleil et de ces nombreux fruits et légumes qui sont mis à notre disposition. Alors je vais partager avec vous les raisons qui m'ont poussée à faire cette semaine de jus, hein, pourquoi je suis partie sur 7 jours, alors, en tout cas comment je suis arrivée à ces 7 jours, mais également partager avec vous l'organisation de mes journées, mes nombreuses recettes, hein, l'histoire de vous donner plein d'idées et puis de voir comment on peut varier fruits et légumes. Puis partager également avec vous si j'ai fait une activité sportive, alors activité sportive ou pas, est-ce qu'on se met au repos ou au contraire on s'active. En tout cas je vais vous dire ce qui me concerne et ce que j'ai pu faire pendant cette semaine au niveau du sport. Comment j'ai géré l'activité professionnelle, est-ce que ça a pu être un désavantage ou au contraire un gain d'énergie. Partager avec vous également la vie familiale, comment on gère les nombreux repas pour la famille et nous alors qu'on est en période vraiment d'introspection. Puis faire avec vous un bilan, et puis c'était facile ou pas facile, est-ce que ça dépend des uns des autres, des croyances, de nos pensées limitantes, mais voilà, faire un petit bilan de cette semaine, et puis je vais vous proposer d'envisager cette semaine de jus sous l'aspect énergétique et travailler au niveau des chakras. Je suis maître Reiki, dès le niveau 1 on aborde ce sujet des chakras et on va travailler pourquoi pas cette semaine avec les fruits et les légumes, les couleurs associées aux couleurs des chakras, 7 jours, 7 chakras, et s'amuser et justement à composer des jus à leur propre couleur pour travailler justement sur toutes ces émotions qui peuvent venir les bloquer et s'en libérer petit à petit en visualisant plein de choses et cette couleur qui va venir des fruits et des légumes et vous apporter toute cette énergie nécessaire pour vous libérer un peu plus. Voilà ce que je vous propose. Donc maintenant c'est parti, on va aborder tous les sujets. Alors il va sans dire qu'évidemment si vous avez des problèmes de santé, on ne se lance pas dans l'aventure comme ça, il est bon de se faire suivre. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, en tout ce qui concerne les monodiètes, voilà, les restrictions alimentaires, les jeûnes, voilà, il est bon d'aller voir un professionnel de la santé. Il y en a plusieurs qui maintenant sont au fait de toutes ces pratiques et vont vous suivre comme il se doit. Les bénéfices sont tellement énormes qu'il serait dommage de ne pas se préparer comme il le faut. Et voilà, il y a tout un protocole, évidemment, comme je le dis souvent. En ce qui me concerne, mon alimentation est déjà bien allégée, je fais du jeûne intermittent, je n'ai pas de protéines animales, donc c'est très facile de rentrer rapidement dans ces périodes de jeûne, de restrictions alimentaires, de monodiète, de jus, et d'en ressortir tout aussi doucement. L'alimentation donc doit être se réduire et se reprendre de manière bienveillante pour votre corps et retirer tous ces bénéfices parce que vraiment, vraiment, ils sont importants et ce serait dommage de ne pas retirer tous ces avantages. Donc voilà, quelques recommandations à ce sujet. Alors les raisons qui peuvent vous pousser vraiment à faire une semaine de jus ou toutes sortes de pratiques de ce genre comme les monodiètes, le jeûne, etc. Enfin voilà, d'aller dans ce sens sont différentes suivant chaque individu évidemment, donc nombreuses, diverses et variées, c'est évident. Elles peuvent être de raisons pour des raisons médicales et dans ce cas-là peut-être même que c'est votre médecin qui vous l'aura conseillé. On a la chance d'avoir des médecins qui sont de plus en plus ouverts à ce genre de pratiques, preuve à l'appui, et qui dans ce cas-là vont vraiment vous accompagner durant cette semaine et durant vraiment tout ce nettoyage pour vraiment nettoyer en profondeur votre corps. Si vous êtes déjà en bonne santé, ça peut effectivement être une prise de conscience que votre alimentation est depuis quelques temps ou juste ponctuellement, mais vraiment trop riche, trop sucrée, avec vraiment trop d'aliments industriels, des matières mortes, peu de vitalité en fait dans tout ce que vous allez ingérer. Et peut-être qu'alors c'est vraiment le démarrage d'une vie plus saine, d'une alimentation plus saine, vraiment pour vous diriger vers quelque chose de bienveillant pour vous au niveau de l'alimentation. Ça peut être évidemment aussi pour booster votre organisme, pour vraiment venir régénérer tout ceci et donner un petit coup de fouet. C'est vrai que c'est important et intéressant dans ces périodes où la peur, toutes les petits tracas qui peuvent venir nous assaillir, eh bien, viennent nous affaiblir au niveau du système immunitaire. Donc là, on va vraiment essayer de relancer la machine et on peut avoir cette envie justement de faire cette semaine de jus pour cette raison-là. Ça peut également être dans un souci vraiment de nettoyer des pensées et des schémas récurrents qui viennent. Et en l'occurrence, moi, ça a été la première des raisons pour lesquelles j'ai fait
fait à l'époque, il y a 17 ans maintenant déjà, une monodiète de raisin où vraiment je voulais me nettoyer en profondeur alors que j'avais vraiment... des pensées négatives et des jugements sur mon corps que je n'aimais pas et j'avais conscience de ne pas l'aimer à sa juste valeur. Et alors j'ai trouvé bon, je me suis renseignée, informée, voilà, j'ai été un petit peu piochée partout pour trouver toutes les informations et de partir vraiment sur un nettoyage en profondeur du corps à l'époque avec cette monodiète de raisin. Et comme je vous le dis tout à l'heure, c'est important de se faire suivre puisqu'à l'époque je m'étais fait suivre dans un homéopathe, comme j'ai pu vous le dire dans une vidéo précédente sur ma cure de raisin. Par un homéopathe, par deux naturopathes dont une était spécialisée pour l'hydrothérapie du côlon et vraiment j'avais été nettoyée au niveau du centre de ce deuxième cerveau, le centre des émotions pour aller vraiment en profondeur à la rencontre de moi-même. Et voilà des raisons qui peuvent vous encourager à démarrer pour aller vraiment travailler sur votre être profond. Puis au fur et à mesure en fait, des années, des pratiques, on évolue, on est de plus en plus connecté à soi-même, on est de plus en plus à l'écoute de son corps et c'est juste des fois tout simplement des appels, des appels qui se font sentir, que c'est peut-être le moment de mettre la digestion un petit peu au repos, peut-être d'avoir plus envie de connexion. Alors on peut se servir aussi de périodes dites fortes en énergie comme les pleines lunes, les nouvelles lunes, les équinoxes, les solstices, voilà, les portails énergétiques du 1er janvier, du 2 février, etc. qui sont des moments propices au nouveau départ et effectivement avec toutes ces énergies ambiantes en profiter pour se lancer voilà, dans un nettoyage du corps. Vraiment le corps physique va vraiment travailler pour pouvoir aller toucher le corps émotionnel, mental et spirituel et petit à petit, donc comme je vous le disais, au fur et à mesure des pratiques, on évolue, on commence à se connaître de plus en plus et on est de plus en plus à l'écoute. Donc en l'occurrence, moi, les raisons qui m'ont poussée à ce moment-là à faire cette semaine de jus, eh bien voilà, ça a été un appel de mon corps, le sentiment que j'avais besoin de lui donner un surplus de vitamines, le poser au niveau des digestions, être un petit peu plus connectée avec moi-même et vraiment que l'alimentation, des fois, est utilisée à mauvais escient, c'est-à-dire peut-être un petit peu pour venir étouffer ses craintes, ses peurs, ne pas affronter tout ce qu'il y a à affronter et ses parts d'ombre. Là, c'est vrai que lorsqu'on est au repos, on ne vient pas étouffer, on vient justement voir ce qu'il y a à voir. Ça demande un peu plus de courage, mais ça met en lumière beaucoup de choses à travailler et ça nous fait progresser. Donc voilà, c'est au fur et à mesure des pratiques que vous allez pouvoir découvrir ça. Voilà, donc les raisons sont diverses et variées, comme je vous l'ai dit au début, propres à chacun, mais il y a une réelle motivation et qui vient vraiment souvent d'un élan du cœur, c'est d'abord que comme ça que cela peut marcher, parce que voilà, c'est un engagement que l'on prend avec soi-même pour se faire du bien. Eh bien, en ce qui concerne l'organisation de ces journées, alors au niveau des courses, évidemment, vous allez acheter beaucoup plus de fruits et de légumes que d'habitude, surtout que vous allez les faire en jus, donc la quantité va être plus importante. Et on pourrait se dire, parce qu'il faut quand même de préférence les acheter bio, essayer d'enlever un maximum de pesticides, c'est le moment vraiment de se faire du bien et d'apporter vraiment toute cette énergie, toute cette vie en vous. Donc oui, on pourrait se dire que le panier va être un petit peu plus cher que d'habitude, mais évidemment, vous allez éliminer tout ce qui est produit animal, produit laitier, en fait tout aliment industrialisé, et forcément vous allez moins consommer, d'autant plus que vous allez voir petit à petit tout ce qui peut être fringale et choses comme ça s'arrête. Et si le premier jour, deuxième jour, on a tendance à consommer pas mal de jus, au fur et à mesure vraiment tout ça vient se réguler. Et puis en ce qui me concerne, je fais déjà du jeûne intermittent, donc il est vrai que mon alimentation ne commençant qu'au plus tôt vers 13h, et vraiment très souvent c'est plutôt 15h, 16h, 17h et se terminant vers 20h, 21h. Bon, bah effectivement, je suis déjà prête à ce que ce soit beaucoup plus simple et facile. Et puis, il n'y a finalement que 2 ou 3 jus. Et si jamais, à un moment donné, voilà, la faim se fait sentir, bah, utilisez peut-être des aliments un petit peu plus riches. Mettez plus de bananes ou des choses comme ça qui vont peut-être mieux vous caler. Prenez le temps de boire, mais tout ça, voilà, je vais y revenir et je vais vous l'expliquer. Mais voilà, au niveau de l'organisation, faites attention à ce que vous ayez suffisamment de fruits et de légumes chez vous pour que vous ne soyez pas en manque. Et surtout, essayez d'alterner vraiment avec de l'eau, des tisanes. Prenez le temps, c'est un moment pour vous.
À présent, je vais partager avec vous quelques-unes de mes recettes favorites et vous faire en suivant une petite démonstration de l'extracteur en action. Le but de ces recettes étant de vous aider à diversifier les jus et pourquoi pas vous encourager à tester de nouvelles choses. Osez redécouvrir des fruits et légumes ne faisant jusque-là pas partie de vos préférences pour les consommer différemment, sans a priori, et profiter de leurs propriétés, bienfaits, en réveillant par la même occasion vos papilles. Bref, amusez-vous et surprenez-vous cette semaine car elle est bel et bien sous le signe de la joie. Alors pour ce premier jus de couleur rouge, la couleur du chakra racine, pour mieux vous ancrer, pour travailler sur vos peurs et votre insécurité, eh bien je vous propose de réunir 5 à 6 ingrédients. Il vous faudra des tomates, du poivron rouge, de l'ail, du concombre, du gingembre pour le côté antioxydant, et pourquoi pas si vous le pouvez, rajouter du quinton ou du plasma marin, car celui-ci apporte non seulement tous les bienfaits du magnésium, mais il vient également apporter une petite touche salée, très agréable je dois dire, avec un bon jus de tomate. Cette belle couleur orange pour ce deuxième jus, agissant par les vibrations de sa couleur sur le chakra sacré, est réalisée grâce à l'association de l'ananas, des oranges, des carottes, du choucal, du gingembre et du curcuma qui vient donner cette belle couleur or que vous pouvez remarquer. Ce sont les pommes, le fenouil, le citron et le gingembre qui donnent ce beau jaune de la couleur du chakra du plexus solaire et apportent toute cette lumière dans votre verre. Du vert et encore du vert pour votre quatrième chakra, celui du cœur, et l'aider à s'ouvrir davantage en apaisant votre chagrin par la compréhension du pouvoir du pardon. Nul doute que la douceur de ce délicieux jus de pomme épinard viendra vous y aider. Surprenant jus de myrtille, concombre, citron et gingembre pour jouer avec les quantités et créer des tonalités de bleu correspondant au chakra de la gorge et du troisième œil et ainsi vérifier votre pouvoir de communication dans ce monde relatif et votre ouverture aux perceptions plus subtiles de clairvoyance. Tout un programme. Du chou rouge, des pommes, du citron et du gingembre pour contacter l'énergie du coronal et vous libérer des attachements terrestres. Travaillez sur l'un et mesurez toute votre puissance. Voilà à présent quelques jus qui pourraient compléter votre semaine. Alors au niveau de la couleur orange, vous pouvez associer carotte, kiwi, orange. Un jus tout simple, ananas-carotte. De la laitue, de l'ananas, de l'orange et du pamplemousse pour ce jus vert. Mais également du concombre, du citron, du céleri, du curcuma et du gingembre. Tout comme un jus à base de persil, concombre, citron et gingembre. Ou encore le fameux épinard pomme agrémenté de gingembre et de curcuma. Et un petit dernier que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est vraiment vraiment très agréable. Ananas, avocat, fruit de la passion. Pour du jaune, on peut s'amuser avec une base banane et pourquoi pas rajouter un petit peu de carotte et même une boisson riz coco. Un jus qui s'amuse entre la couleur rouge et orange, carotte, betterave, gingembre, citron, pomme, pêche et ananas. Très simple et très rafraîchissant, un merveilleux jus de pastèque. Vous pouvez cependant rajouter un petit peu de menthe et vraiment ça va lui donner un goût très rafraîchissant. N'hésitez pas non plus à utiliser tous les aromates. Vraiment, ça va donner un petit goût de plus et vous donner encore plus de vitamines. Et pour terminer ces quelques idées de jus, associez carotte, betterave, pomelos et gingembre si vous voulez à nouveau travailler avec la couleur du coronal, le violet. Et maintenant, à vous d'essayer d'innover pour passer une merveilleuse semaine. Alors je vous ai partagé mes recettes, je vais vous montrer exactement comment je procède avec mon extracteur. Là j'ai un Kevings, donc je vous mettrai les références si vous voulez, mais voilà, investissez quand même dans un bon extracteur en sachant que moi le mien il fonctionne vraiment tous les jours. Faites en sorte vraiment que la vis tourne lentement justement pour pas que ça vienne chauffer les fruits et les légumes et que vous gardiez bien toutes les vitamines, c'est important. Et puis vous allez voir, va ressortir vraiment toutes les fibres et plus l'extracteur est de bonne qualité, plus les fibres sont sèches et plus vous récoltez évidemment plus de jus.
Donc voilà, je vais vous faire un petit jus que j'affectionne, mais je fais à mon inspiration en fonction des fruits et légumes que j'ai à la maison et de la couleur, les quantités, chaque fois c'est variable. Je vois un petit peu ce que ça fait, mais voilà comment en fait l'extracteur peut marcher. Donc c'est parti, je le lance et on va lancer. Donc pour moi, l'ananas. Je mets un petit citron. Alors le citron, j'ai un truc super maintenant, je peux le mettre vraiment en entier. Ça passe. Orange. Je vais couper la betterave. Je ne sais pas si on va... Alors la betterave, évidemment la betterave crue. Hein. Pas la betterave cuite. Et voilà, je laisse la peau. J'ai juste frotté. J'ai un petit ustensile comme ça pour frotter les fruits et les légumes. Voilà, pour garder la peau. Alors là, c'est en train de se mélanger. Je vais rajouter, j'arrive tout de suite, un petit peu de curcuma. Alors, ça fait une petite couleur or, et ça, c'est vrai que c'est super beau le goût après dans les jus. Hop. Et voilà. Donc, ça continue. Là, et vous voyez, vous avez votre jus. Donc c'est vachement simple dès que vous sentez la faim arriver. Voilà, ça ne prend que quelques minutes, d'ailleurs voilà, 2 minutes pour faire le jus, et vous pouvez le déguster. Choisissez un beau verre, faites-vous plaisir, asseyez-vous en famille, prenez le temps de déguster, mangez en conscience, respirez, concentrez-vous sur votre respiration, appréciez toutes les vitamines qui se trouvent là, et puis faites-vous plaisir. Alors j'ai coutume de dire que ma santé est dans ma tête, dans mon assiette et dans mes baskets. Alors inutile de vous dire que pour moi, une journée sans activité sportive, c'est un petit peu compliqué et ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie pour moi. Alors évidemment, il y a activité sportive et activité sportive. Et on pourrait se dire qu'à ce moment-là, eh ben, effectivement, on pourrait avoir une activité plus modérée. Je dois dire que les expériences du passé, et notamment lorsque j'ai fait mon jeûne de 12 jours, m'ont prouvé qu'on avait une énergie tellement décuplée que c'est bien. Plus à ce moment-là, je vous avais fait une vidéo sur le trampoline où vraiment je débordais d'énergie. Donc vraiment, avec l'expérience, vous allez voir que vous décuplez votre énergie et que finalement, à ce moment-là, dans l'activité sportive, on se surprend à véritablement performer. Donc il ne s'agit pas d'aller au-delà de vos limites, il ne s'agit pas de vous en demander trop, mais vraiment à nouveau d'être à votre écoute. En l'occurrence, cette fois-ci, j'ai été donc à cette écoute, et dans cette écoute, j'ai énormément fait plutôt des activités effectivement dites douces, quoique, mais plus de yoga. Voilà, j'ai pratiqué plus le yoga et des activités comme ceci, moins de choses très 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 cardio. Mais une fois de plus, soyez à votre écoute. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Par contre, notez que dans cette période de restriction alimentaire où effectivement il y a quand même fonte de la masse musculaire, il est important d'utiliser le sport encore plus pour aider l'élimination, mais aussi de pallier à cette fonte musculaire et de continuer justement à créer à ce muscle en fond. Donc finalement, pour moi, oui à l'activité sportive en pleine restriction alimentaire. Ça va de soi qu'il est important de continuer à s'activer. «
Eh bien, au niveau de l'activité intellectuelle, de l'activité professionnelle, je dois dire que c'est exactement la même chose que pour l'activité physique. On se surprend à devenir vif, à y avoir plus de mémoire, à être plus connecté. On perd moins de temps, on est plus alerte. Alors évidemment, ça dépend de l'activité que vous avez. En l'occurrence, moi, je suis maître Reiki. Cette semaine-là, j'ai enseigné le Reiki niveau 2. Alors, outre le fait qu'en plus, on travaille sur les énergies et qu'on est encore plus en train de les amplifier, je n'ai manqué à aucun moment d'énergie. Je n'ai pas eu de moment de faiblesse. Je partageais un petit jus avec mes stagiaires le midi à l'heure du repas. Et puis après, j'en prenais un lorsqu'ils me quittaient. Et puis un petit peu en famille. Je vous parlerai justement de l'organisation familiale. Et puis il m'est arrivé également de suivre des formations à ce moment-là, alors que j'étais en plein jeûne, et période de jus, etc., où j'ai suivi des formations et il fallait être alerte, il fallait vraiment être vigilant à tout ce qui se passait. Et justement, j'étais encore plus présente à ce qui se passait. Donc vraiment, en ce sens, moi je n'y vois aucune restriction. La seule restriction qui pourrait être, c'est si vous êtes éloigné de chez vous avec de lourdes et longues amplitudes de travail. Bon, évidemment, c'est un moment pour vous, une introspection, ce doit être doux et bienveillant pour vous. Donc peut-être alors qu'il serait préférable de le décaler et de vous accorder un meilleur moment pour ça. Mais ça, c'est à vous de voir, et évidemment, comment vous allez pouvoir le gérer au mieux dans votre organisation. Alors, au niveau des interactions avec la vie familiale, alors bien évidemment, je peux que vous conseiller que si vous avez la possibilité de vous éloigner un petit peu et de ne pas avoir à préparer les repas, évidemment c'est sympa, ça fait encore plus de temps pour vous, plus de temps pour la méditation, la lecture, un peu de yoga, enfin bon bref, ouais, là vous avez vraiment de belles journées à profiter. Si ce n'est pas le cas, et c'était le mien, aucun souci. En l'occurrence, en ce qui me concerne, je n'ai eu aucun problème à faire les courses et le reste des courses pour le reste de la famille, à préparer aussi les repas. J'ai déjà l'habitude, avec mon jeûne intermittent, de préparer le repas du midi alors que je ne mange pas. J'ai une particularité aussi, mais vous le savez maintenant, je suis quand même un peu bizarre. Mais je me nourris, mais je vous engage et je vous invite à essayer de vous nourrir de l'odeur en fait des aliments. C'est vrai qu'il m'arrive très souvent, lorsque j'ai une odeur qui me titille, on va dire, de demander à la sentir, et rien que de la sentir. Voilà, j'ai l'impression vraiment de me nourrir de cette odeur, exactement comme on le peut faire avec l'air qui nous entoure. Et puis surtout, prenez de l'eau, voilà, l'eau est quelque chose d'extraordinaire, on a souvent plus soif que faim, donc utilisez-la vraiment à bon escient, elle va venir vous caler, elle va venir vous poser, et vous allez même voir que même une petite tisane ou quelque chose, ça va être vraiment comme un repas. Donc voilà, l'interaction avec la vie familiale, petite astuce, sentez même les odeurs, il n'y a aucun souci avec ça, et nourrissez-vous d'elle. Sinon, en l'occurrence, moi c'était très très important quand même le soir, puisque c'est vraiment le moment où je me mets toujours à table avec le reste de la famille, même avec mon jus, de prendre le temps. Et d'ailleurs, des fois, je mettais plus de temps à boire mon jus parce que vraiment, je le dégustais que eux à manger. Prenez le temps de l'insaliver, amusez-vous avec une paille, juste le boire dans le verre. C'est pas la même chose en fait. Voilà, on prend plus le temps. Voilà, découvrez vraiment tous les aliments, comme je vais vous le dire juste un petit peu après, travaillez vraiment avec cette visualisation, ces couleurs, ces énergies, ces fréquences vibratoires, donc vous allez tout avoir un travail à faire, et donc en conscience, c'est très important, et amusez-vous, moi de toute façon la vie, tout est... Et matière à vous amuser, eh ben écoutez, voilà quoi, un repas c'est une entrée, un plat, un dessert, eh ben vous faites un petit verre d'eau, c'est votre entrée, vous faites votre petit jus, c'est votre plat principal, et vous faites une petite tisane, c'est votre dessert. Amusez-vous, prenez le temps, vous allez voir que même si au début ça peut être un petit peu difficile, mais c'est souvent dans la tête, prenez le temps de respirer. Prenez le temps, savourez, discutez vraiment avec votre famille et vous allez voir, franchement, il n'y a aucune difficulté. Donc, en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est très très personnel, aucun problème à voir les autres manger pendant cette semaine quand on sait au fur et à mesure des journées à quel point on se fait du bien et que de jour en jour, on a encore plus d'énergie. Donc vraiment, ça motive. Alors le bilan, le résultat de cette fameuse semaine, positif, hein, évidemment, plein de joie, plein d'amusement, plein de légèreté, évidemment plus d'énergie, de meilleures connexions, un équilibre qui s'opère à l'intérieur de nous, une énergie nouvelle qui surgit,
un émerveillement pour la vie, réellement, pour tous les fruits et légumes qui sont là, plus de conscience dans toutes les choses, des petits boutons qui apparaissent, mais une peau plus lumineuse au final. Un corps effectivement qui va perdre en poids, mais on est d'accord qu'on ne fait pas cela pour perdre du poids, mais vraiment pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, vraiment on repart sur quelque chose de, voilà, on se booste, on repart sur une meilleure hygiène de vie, une meilleure compréhension de ce que l'on est. Il n'y a plus de contrôle, mais bien une écoute de qui on est, ce qu'on est au fond et qu'est-ce qu'on est fort et puissant. Voilà, donc il y a un bilan vraiment plus que positif. Et puis si vous n'y arrivez pas ou que voilà, il y a des aléas qui se présente à vous, qui vous empêche de le suivre de manière douce et bienveillante, et bien pourquoi pas justement faire commencer par un jus justement en repas de midi, et puis faire votre alimentation mais bien plus légère le soir, et peut-être que le lendemain vous arriverez à faire que des jus. Bref, soyez à votre écoute, alternez un jour sur deux, vraiment vraiment vraiment, c'est ce que je vous engage à faire. Soyez à votre écoute, ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Soyez vraiment bienveillant. Donc finalement, c'est une semaine pour tous ceux qui ont envie de se mettre encore plus en joie, qui ont envie d'expérimenter, qui ont de bonnes raisons de vouloir essayer de nouvelles choses comme ça, qui sont déjà en bonne santé ou finalement qui ont besoin de repartir sur quelque chose de mieux avec l'aide d'un médecin, d'un praticien de la santé et qui vont pouvoir se faire suivre. Et en tout cas, à présent, vous avez fait peut-être déjà ces 7 jours ou quelques jours, libre à vous de continuer comme j'ai pu le faire par le passé, sur vraiment un jeûne strict ou revenir légèrement à l'alimentation. Voilà, à la fin, on fait un petit bilan. Qu'est-ce que je souhaite faire par la suite? Est-ce que je me lance véritablement sur ce jeûne? Je passe à une autre étape encore? Ou est-ce que je reviens à l'alimentation et je le ferai à un autre moment, à un moment plus propice à ceci, en utilisant peut-être les énergies de la lune, de la pleine lune, d'équinoxe, de solstice, de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, les raisons seront diverses et variées à nouveau, elles vous sont propres. Utilisez-les pour justement avoir vraiment cet élan qui va vous motiver jusqu'à la fin. Alors, facile ou pas facile? Eh ben, c'est facile si vous êtes à votre écoute, si vous ne vous en demandez pas trop, si vous n'êtes pas en train de vous juger, et surtout si vous n'êtes pas dans le contrôle ou dans les peurs de dire « Oh, il faut que je tienne, il faut que je fasse ça jusqu'au bout, ah non mais c'est bon pour ma santé, etc. » Non, soyez à votre écoute, et c'est seulement à cette condition-là que vous verrez ce sera facile. Et puis des petites astuces évidemment, voilà. De prendre l'air, d'en profiter pour faire des exercices de respiration qui justement vont vous alimenter en amour, en joie, en bienveillance pour vous, en vous posant, en vous questionnant sur votre faim, en étant très attentif au fait de si vous avez une faim qui se déclenche à ce moment-là, est-ce que justement je ne suis pas en train d'essayer d'étouffer mes émotions ? Utilisez peut-être les fleurs de Bac, utilisez tous les outils justement qui peuvent vous aider à vous poser, à vous calmer et faire en sorte que justement vous en retirez tous les bénéfices de cette période. C'est propre à chacun, évidemment si vous avez une alimentation qui de base est dévitalisée, lourde, alimentation morte, que vous avez tendance à beaucoup manger, grignoter, etc. Ça peut effectivement être plus difficile. Mais justement ce sont des expérimentations et puis au fur et à mesure on évolue et d'une cure à une autre, d'une monodiète à une autre, d'une semaine de jus à une autre, d'un jeûne à l'autre, on évolue, on change. Et voilà, de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous et c'est là que c'est merveilleux. Mais laissez-vous la possibilité justement de vous ouvrir à tout ça. Ne partez pas avec des a priori. Expérimentez, ce n'est que lorsque vous l'aurez fait et lorsque vous aurez essayé que vous pourrez vraiment en parler et voir ce que ça fait pour vous. Alors maintenant, je suis ravie de vous proposer une autre approche pour cette semaine, d'un point de vue énergétique. Ça, c'est ma partie. Comme je vous l'ai dit, je suis maître Reiki. En niveau 1, on enseigne déjà quelques petites choses sur les chakras et vraiment toutes les émotions qui peuvent les perturber et les bloquer. Et ben moi, je me suis amusée cette semaine à jouer avec les vibrations des couleurs. Voilà, chaque chakra a une couleur à associer et faire des jus en correspondance à ces chakras pour justement travailler sur ces émotions-là, recevoir à l'intérieur moi toutes ces vibrations, en bénéficier et me libérer toujours un petit peu plus. Alors, comment je les travaille ? Quelles sont-elles ces couleurs si vous ne les connaissez pas? C'est ce que je vous propose tout de suite de vous présenter.
donc on va travailler sur ces 7 fameux chakras. Alors quels sont-ils? Ben, il y a le chakra racine, évidemment le premier, donc il y en a 7, du 1 au 7, on part du bas vers le haut. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, du troisième œil et du coronal. On va parler tout de suite des couleurs, donc du rouge pour le premier, de l'orange pour le deuxième, du jaune pour le plexus solaire, du vert pour le cœur, du bleu indigo et du chakra coronal en violet. Et comment va-t-on faire ces petits jus et qu'est-ce qu'on va travailler avec? Alors, le chakra du racine, qu'est-ce qui le bloque? Eh bien, c'est la peur, l'insécurité. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il a été malmené et qu'est-ce qu'il est encore malmené avec toutes ces inquiétudes et ces tracas qu'on vient, qui viennent nous perturber par toutes les informations véhiculées. Donc il nous faut du rouge pour l'ancrer. Alors bien évidemment, vous pourriez vous mettre ce jour-là un petit t-shirt rouge ou quelque chose de rouge pour justement vous ancrer et être dans l'acceptation de ce qui est et d'être dans la foi de la vie. Et lorsque vous êtes séparé dans l'illusion, c'est vraiment faire tomber le voile de l'illusion, vous rendre compte que tout ça n'a ni queue ni tête et que voilà, il faut vraiment travailler avec cette couleur rouge. Alors, vous pouvez travailler avec la tomate, vous pouvez travailler avec le poivron, vous pouvez travailler avec la grenade, vous pouvez travailler avec la pastèque. Bref, tout ce qui est de couleur rouge, vous allez pouvoir vous faire un petit jus et je vous ai déjà donné quelques recettes. Et justement, lorsque vous allez prendre votre petit verre de jus et le déguster, voilà, prendre conscience des vibrations de cette couleur, prendre conscience de vos pieds dans la terre, de votre ancrage. Qu'est-ce qui peut venir perturber ma sécurité, ma foi en la vie, toutes ces peurs, est-ce qu'elles ne seraient pas illusoires, la peur, perception erronée de la réalité? Voilà, vous ancrer dans le moment présent, vous redire que ici et maintenant, il n'y a rien à craindre. Et voilà pour ce premier jour déjà une façon de vous libérer de vos peurs, en comme on le dit en Reiki, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Alors au niveau du chakra sacré, la couleur orange, le plaisir, la créativité, ce qui le bloque, c'est la culpabilité. Mais qu'est-ce que vous vous reprochez si durement? On est son propre juge et vraiment on se juge très très sévèrement et qu'est-ce que ça fait comme dégâts? Donc c'est vraiment dommage et on va travailler vraiment avec cette couleur orange et les vibrations de ce jus que l'on va pouvoir faire avec de l'orange, de l'abricot, du poivron orange. Enfin je vais vous marquer toute la liste des fruits et légumes que vous pouvez utiliser. Et puis voilà, accepter que ce qui est une nouvelle fois et puis vous pardonner, se pardonner, travailler vraiment sur les notions d'acceptation et de pardon à ce moment-là parce que vraiment on a besoin de se déculpabiliser. Tout ça est basé sur un système de croyances qui nous a été inculqué, une éducation plutôt moins rigide, limitante. Donc il s'agit vraiment d'éliminer et de travailler sur cette notion de plaisir, de créativité et vraiment se débarrasser de toute culpabilité. Merveilleuse couleur jaune pour ce chakra du plexus solaire qui rayonne tant, ce véritable petit radar qui se charge de toutes les énergies subtiles autour et qui vient vous donner des informations. Qu'est-ce qui vient le bloquer? C'est la honte qui vient le bloquer. Mais de quoi avez-vous honte? Il n'y a pas à avoir honte justement. Travailler avec cette lumière, cette couleur jaune et ces vibrations que vont vous apporter ces jus. Voilà, avec le citron, le fenouil, la banane, etc. pour venir mettre en lumière ce qui peut faire ombrage sur vous et bloquer tout ce centre des émotions où tout est emmagasiné et justement qu'il sera bon et essentiel maintenant de libérer. Et de la couleur verte pour ce chakra du cœur en votre centre, un équilibre parfait entre le bas et le haut qui permet vraiment cette ouverture. Voilà, le corps qui s'ouvre pour laisser exploser tout cet amour et vraiment guérir de tout. Alors qu'est-ce qui vient le bloquer? Voilà, c'est le siège de l'amour et ce qui vient le bloquer, c'est la peine, la tristesse, le chagrin. Mais qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous met en tristesse? Finalement, réfléchissez bien à ceci. L'amour tourbillonne, c'est votre essence même. L'amour tourbillonne toujours autour de vous. Et il est vraiment question de finalement ce chagrin, cette tristesse, c'est une non-acceptation une nouvelle fois de ce qui a été. Vous avez travaillé, comme je vous l'ai dit précédemment, sur le pardon. Et bien là, libéré du pardon, quand l'on comprend que finalement il n'y a rien à pardonner parce que tout est parfait, cette ouverture peut se faire. Il n'y a plus de jugement. Il y a juste à regarder ce qui se
passe autour de vous. Voilà, voir les expériences se proposer, accepter parce que la vie, ce qui est, c'est pour vous, ce qui est bon pour vous. Donc il n'y a plus qu'à laisser faire et vraiment rayonner ce que vous êtes au plus profond de vous. Ne plus juger l'autre, ne plus donner le pouvoir, vous empêcher de vibrer qui vous êtes vraiment. Et voilà, et alors on va travailler avec le vert, on va travailler avec la salade, on va travailler avec les épinards, les poivrons verts, on va travailler avec les kiwis, on peut travailler avec les pommes, on va les mélangeant justement avec d'autres ingrédients plus verts. Je vous mets une nouvelle fois la liste. Voilà, prenons ces vibrations de verre pour pardonner une nouvelle fois, pour se libérer du chagrin, de la peine, de la tristesse, de remettre vraiment en vigueur ce siège de l'amour inconditionnel. Au jour d'aujourd'hui, vous le savez, il est temps vraiment de vibrer qui on est vraiment, et nous sommes amour, paix et sérénité, et c'est là qu'il est, dans ce siège-là. Travaillons vraiment de manière efficace avec cette couleur verte pendant cette semaine de jus. Et le chakra de la gorge, hein, le chakra de la communication, c'est le mensonge qui le bloque. Voilà, on a besoin de se dire la vérité aux autres et à soi-même. On a besoin de dire qui l'on est vraiment. Donc là, c'est vraiment une invitation à ne plus avoir peur de révéler qui vous êtes vraiment, à vous affirmer tel que vous êtes, à dire aux autres ce que vous avez à dire dans la bienveillance et à vraiment être honnête avec vous et reconnaître qui vous êtes, vous parler à vous-même, reconnaître qui vous êtes vraiment sans avoir plus aucune peur. Donc travailler vraiment avec l'amour à nouveau avec un grand A, de travailler à nouveau avec le pardon, l'acceptation, toutes ces notions-là. Alors on va utiliser des jus peut-être à base de myrtille, travailler avec les notions de bleu, vous allez pouvoir ajouter même quelques boissons de riz coco par exemple pour travailler sur ces couleurs. En tout cas, même si vous n'arrivez pas à véritablement faire un jus aux ces couleurs, ben, mettez-vous du bleu, regardez le ciel. Prenez conscience ce jour-là de travailler avec ces vibrations-là et vraiment de venir libérer tout ce qui peut bloquer à ce moment-là, les mensonges que l'on se fait sur moi-même, voilà, ce qu'on n'ose pas dire et qu'on n'ose pas s'avouer. Important de travailler sur ce cinquième chakra, tout comme nous allons pouvoir travailler également maintenant aussi sur une autre tonalité de bleu avec le chakra du troisième œil. Et vraiment, qu'est-ce qui vient le bloquer? Eh bien, ce sont nos croyances limitantes, ce voile de l'illusion que l'on n'arrive pas à faire tomber, voilà, engendré par des peurs, par toutes sortes de tracas qui peuvent se présenter, des égrégores qui peuvent passer et que l'on a pu accrocher. Voilà, nous allons travailler à nouveau sur cette vibration de bleu, travailler peut-être avec une méditation aussi ce jour-là sur l'ouverture du troisième œil, voilà, sur cette clairvoyance, sur lever le voile de l'illusion, voir les choses autrement, voir au-delà de ce filtre qui se propose devant nous. Et merveilleuse couleur bleue à travailler également avec les jus. Et soyez créatifs, justement, essayez des petites choses, essayez des mélanges, exactement comme l'on peut jouer, et c'est ce quoi je me suis amusée, comme on pouvait jouer quand on était petit avec les couleurs, avec le jaune, le rouge, voilà, et le bleu. Travaillez pour faire des tonalités, regardez quelles associations peuvent créer de jolies couleurs bleues, mais il y en a, je vous assure, mais c'est à vous de créer aussi. Alors là, pour le violet, ce qui vient le bloquer, ce sont les attachements terrestres. Voilà, on parle d'énergie cosmique. Là, on a vraiment une autre vision. Alors, en ayant travaillé sur tous les chakras, ah là, on explose. Et du violet, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a comme jus avec des couleurs violettes? Vous pouvez vraiment travailler très, très facilement avec tous les ingrédients que je vous mets certainement là aussi. Donc là, vraiment, on travaille, ben voilà, on s'est libéré des illusions. On a travaillé sur sa clairvoyance. Et là, on voit vraiment l'unité. Voilà, exactement, que tout est tu, on est qu'un, on n'est plus qu'un, on est tous reliés les uns aux autres. Et puis aujourd'hui, justement, dans cette semaine, c'est très important, vous êtes en train de vous faire du bien et on pourrait penser que c'est, voilà, juste à titre personnel. Mais non, en vous faisant du bien, en étant plus connecté, en prenant du recul sur les choses, en ayant un esprit plus ouvert et plus connecté, c'est à l'ensemble, avec l'ensemble, que vous travaillez. Vous apportez justement votre note qui forcément est en train de travailler sur le collectif. Voilà, il n'est pas question de travailler. En fait, on ne travaille pas qu'individuellement. En travaillant individuellement, c'est sur le collectif qu'on agit. Et bien, cette semaine, dites-vous que vous le faites pour vous, mais aussi pour l'ensemble. Mais bon, c'est en travaillant comme en Reiki, d'abord pour soi, avant tout pour soi, et encore pour soi. Et forcément, à force de rayonner,
vous allez rayonner sur le reste du monde. Et c'est le travail qu'on nous demande actuellement. Alors voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine de jus. Amusez-vous à travailler différemment. Amusez-vous justement avec toutes ces couleurs en l'associant à plein de choses, à la méditation, aux bonnes lectures, aux bonnes vibrations en tout genre. C'est le moment de vous faire du bien. Comment ne pas finir cette vidéo avec la gratitude? Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais là, en ce qui concerne cette semaine-là, mais gratitude, il fait beau, il y a eu du soleil tout l'été, vous avez des fruits et des légumes gorgés de vitamines, vous avez la possibilité de vous accorder peut-être une semaine, faites-le. Merci à votre corps qui est en train de se nettoyer, merci à mes pensées qui sont en train de s'apaiser. Voilà, merci parce que vraiment, il y a l'abondance tout autour de moi, de ces fruits et légumes, et cool, là, qu'elle régale tous les jours de les voir, de travailler avec ces vibrations, de voir vraiment les bénéfices chaque jour, de voir mon corps éliminer petit à petit ce dont il n'a plus besoin. Et puis, ouf, là, là, de se libérer de croyances limitantes. Finalement, je n'ai pas besoin de manger tant que ça. Finalement, est-ce que je n'ai pas plus d'énergie en m'alimentant mieux, en étant plus à l'écoute de moi? Oui. Est-ce que j'ai besoin absolument de viande pour avoir du muscle et faire des protéines? Est-ce que je n'ai pas besoin d'autre chose? Ah, mais merci de m'être rendu compte de tout ça, d'avoir une ouverture d'esprit. Merci de savoir me remettre en question. Merci de ne pas être fixé et rigide sur certaines choses. Oui, aujourd'hui je fais ça. Demain, si je veux faire autre chose, voilà, je m'autorise à tout ça. Et merci d'être un être humain avec des émotions, de vivre ces émotions en conscience et de pouvoir les travailler pour justement retrouver qui je suis au plus profond de moi. Voilà, la vie est magique. On a à remercier tout. Voilà, ce corps qui va faire de l'activité sportive et qui peut en faire, qui se régénère s'il avait des petites douleurs, des petits problèmes, de voir les choses s'améliorer. Merci à l'entourage, la vie familiale qui fait que peut-être ils acceptent justement, alors qu'ils n'auraient pas accepté il y a quelques temps, le fait que vous fassiez des cures comme ceci. Voilà, que tout se met en place et que les choses se font de manière facile et que la vie vraiment est magique. Donc remercier, il y a des milliers de choses à remercier, je ne vais pas vous en faire encore des caisses là-dessus. Voilà, profitez de cette semaine, j'espère vous avoir inspiré, j'espère vous avoir donné envie et amusez-vous. Voilà, nous sommes des véritables petits enfants, ne perdez pas la petite étincelle qui est en vous, c'est celle qui vous montre que la vie est juste joyeuse et magnifique et qu'il est bon de continuer à vivre.